Et bonjour internautrice et internauteur, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre partie sur XCOM 2 en mode légende. On avait enfin réussi une mission à peu près correctement à l'épisode précédent après trois batailles de merde. Donc on va espérer pouvoir souffler un peu. Je vais pas pouvoir tout de suite contacter la résistance parce que j'ai pas assez de renseignements, donc je suis en train de récupérer avec une technologie. Là, je vais finir de recruter un scientifique. La collaboration de ces extrémistes ne suffira pas à unir les forces. Alors, un entraînement terminé pour un spécialiste. Il faut que je vois, j'ai créé quelques nouveaux personnages. À la demande de nos amis viewers, Pisse-Pousse, Quack le Canard, je changerai peut-être son style, pour l'instant je ne l'ai pas retravaillé. Voilà, donc on a Pisse-Pousse dans 5 jours, 3 jours elle pourra réintégrer l'équipe. S rendu avec Quack pour demande d'Aminou, Katana qui devrait bientôt revenir, Xebulord, tireur d'élite. Voilà, celui-ci est opérationnel. Donc je voulais voir combien est-ce que j'avais de chaque. J'ai 2 grenadiers, 2 rangers, 3 spécialistes, 2 tireurs d'élite. Je vais recruter un grenadier en plus. Faire un grenadier en plus. Donc c'est un statut guérilla disponible. Voilà. Hop, tu vas m'en faire un grenadier. Voilà. Alors, un spécialiste en plus. J'ai toujours pas assez de ressources, il m'en faudrait 30. Après avoir payé le coût en renseignement pour établir le contact, il faudra scanner la région quelques jours avant que la résistance locale se manifeste. 80 renseignements. Quand ce sera fait, nous serons opérationnels dans cette nouvelle région. Commandant, pour le moment, nous manquons encore d'informations pour connaître la position des membres de la résistance dans cette région. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Alors, une nouvelle recherche. 76 points d'enseignement sur la tablette, c'est très bien. Les radios, je peux pas en faire tout de suite. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Puisque ça a marché, on devrait continuer, commandant. Tout se passe à merveille. Je crois que mes faucheurs peuvent recevoir de nouveaux ordres. Alors, nouvelle mission. Je peux désormais, alors il faut que j'assigne Dragunova, mais du coup je vais pouvoir je peux ralentir la progression d'avatar. Je vais localiser les Templiers peut-être, ça me débloquera d'autres opportunités. J'aimerais bien pouvoir recruter un escarmoucheur aussi, mais ça me ferait une personne en plus. Ce serait quand même bien. Je vais mettre Dragunova. J'ai Jean Bomber aussi du coup qui peut y aller. Alors si, ouais, je vais faire ça pour essayer d'améliorer son... c'était cool. Bah, j'imagine que c'était Vedgenia et Veda. Je vais faire leur promo. Donc, Jean Bomber, on avait dit qu'il serait... Il serait quoi? Qu'il serait spécialisé dans les bombes. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que au début, démolition, c'est pas génial. Suppression, ça peut être plus utile de toute façon. Et il me faut un truc en plus. Donc Jean Bomber, tu t'entends bien, et c'est ça avec Galina Lebeda, qui a aussi une promo. T'es promu en quoi toi? En tireur d'élite, très bien. Ok. Donc vous allez repartir tous les deux en mission.
pour aller me recruter un escarmoucheur. Tac. Gelinal et Breda. Tac. Avec risque modéré d'embuscade, ben on fera avec. Nous travaillerons avec nos nouveaux alliés. Allez, le représailles. Ils ont choisi. Ils en subiront les conséquences. Nous mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud. C'est parti pour une opération de représailles. Allez, c'est parti pour la team. Donc, Pisse Pousse et Quoique le Canard. Dragnova. Zébulord. Il peut être flotté avec ici. Il peut simple changer. Dunstlover. Dunstlover, il y a HS. Tac et tac, musique. Tac, ça casse un petit peu les oreilles. Alors je m'attaquerai à vos fondations. Alors, Papa Schultz. Ah, du coup, j'entends plus la musique. Cameron Walker, éventuellement. Tac. Allez. Cameron Walker, il est où? Bah, c'est celui qui est en entraînement. Donc, on oublie. Je vais mettre Smile 6. Hein. Ça fera... bon, ça fait deux. Ah non, c'est un spécialiste. Ok. Schultz, donc ça va pas trop. Eh bien, je vais te mettre toi. De toute façon, tu feras pas d'affinité. Ouais, t'auras pas de problème à te faire des affinités, toi. Allez. On est parti. Comprennent-ils que leur sort ne dépend que de votre retour auprès des Smile 6. Mais sauf que les utiles. Oui, du coup, j'avais perdu. Ouais, j'avais perdu mon medic. Fusil. J'ai quand même fait en sorte d'en avoir un. Hein. C'est 60 ressources de perdu. De toute façon, j'avais perdu tellement de choses déjà que... Ouais. Tac. Est-ce que j'ai quand même amélioration d'armes? Charge améliorée, ce qui est quand même plutôt pratique. Et répéteur qui peut tuer instant. Chargeur amélioré, ça peut être chouette. Sur un tireur d'élite quand même. Le répéteur qui peut tuer en instant. Pourquoi pas chez toi? Sachant que c'est pas le truc le plus utile, même si de temps en temps. Et j'ai un plus 3 PV, plus 3 PV. Pour l'instant, je vais pas l'utiliser. Si, à la limite, sur Dragunova, pour être sûr que c'est pas le. C'est pas le truc le plus utile. Enfin, ceci dit, une Dragon Nova, c'est rare qu'elle se fasse repérer. Allez, on va le mettre sur Quack. Qui est quand même susceptible d'être un peu plus exposé. Hop. Allez. On est parti. Allez, magnifique, Pisse Pousse. Pour l'opération. Qui s'intitule donc, c'était écrit mais j'ai pas pris le temps de voir, qui s'intitule roulement de tambour.
d'apprendre que les extraterrestres attaquent un avant-poste de la résistance. Marais de la main. Qui n'a aucune chance contre eux. Nous allons sécuriser la zone et éliminer les contacts ennemis. Et voilà. Alors j'ai baissé le volume de la musique, mais du coup j'entends plus rien du son du jeu. C'est totalement logique. Menace 1-5. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils. Advent est arrivé en force, tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Ouais, si, Dragunova qui est... Il est toujours bien caché. Allez, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous identifier comme saloperie? Leur patrouille approche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un lanceur, un soldat et un prêtre. Pisse-pousse, je peux pas encore les choper. Par contre, donc, si j'avance un peu trop, ils vont me voir. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis quasiment en bordure de vision. Je vais me mettre là. Ça devrait pouvoir se faire. Et en Overwatch. Si jamais ils se déplacent dans ma direction, ça me permettra de les canarder. Là, il faut surtout pas que j'aille ici. Par contre, je peux aller là. Et smash Overwatch all. Hop, c'est parti. Voilà, parfait. Bim. C'est exactement ce que je voulais faire. Allez, bien. T2. 2. Boum. 3. Oh là là, formidable. Ça commence drôlement bien. Là, il défonce du résistant. Et on va finir de se les faire. Donc toi, t'as déjà une promo, cool. Dragunova, t'es ici. Smoy 6, est-ce que... Non, je vais pas avoir possibilité de le prendre à revers. Je n'ai que 57% de le toucher. C'est suffisant. X-ray neutralized. Allez, continue d'aller explorer, cocotte. Je bouge. Et en même temps. Vous n'avez rien à faire ici. Tu sécurises les civils. Je sais que j'ai un groupe par là. Et je sais qu'il va y avoir de nouveau une saloperie dissimulée. Ce qui n'est jamais très très confortable. Mais il faut faire avec. Ouais, c'est toujours un peu le risque d'ailleurs quand on... Quand on avance comme ça. Demander deux fois. Hop. On reste dans le même coin. Et Dragunova, tu avances. Je vais me placer. C'est le même groupe qui nettoie. Il
contrairement à la précédente mission de représailles, ici j'ai pas de soldats alliés. Donc les soldats alliés, ça peut être pratique quand même. On l'avait vu, hein, ils avaient même été plutôt efficaces. Le terrain il est comment? Là je suis à droite, je suis au bord. Par contre ça va relativement. Ouais, ça va pas si loin que ça. Ok. Par contre ça va pas mal par là. Je vais essayer d'aller choper ce groupe là. Ah, là j'ai deux groupes. Ok. Alors, il faut que je fasse gaffe. Je vais tomber d'abord sur celui de droite. Enfin, sur celui ici, là. Et je vais essayer de ne pas déclencher les deux groupes d'un coup. Donc. Let's do this. Sinon, je vais aller chercher avec Dragunova. Je me déplace. Ils sont là. Et je peux pas faire de tir. Là, je serais sans doute trop bas. Ah, peut-être pas. Ah, je vais peut-être aller là. Il y a quoi par là? Vas-y, quack. Et puis toi, tu vas te faire un double time. Vite, vite. Ah, j'aurais peut-être dû recharger. Hop, Overwatch. Alors, eux, ils bougent. Ce qui est une moyennement bonne nouvelle. Et eux, ils bougent pas dans le bon sens. Merde. Alors, dans ce cas-là, je vais d'abord aller choper ce tout en haut. C'est lesquels? Là je les vois, ils sont vraiment super loin, même si je fais... Non, je peux pas... Je vais faire ça, je vais aller choper ce tout en haut. À vos ordres, commandant. Qu'est-ce que je peux faire exploser? Pas ça, ça serait pas une bonne idée. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Mais par contre... Voilà, je peux faire du tir. Dans ce genre-là. Hop. Yes, petit critique qui va bien. Bon. Par contre, du coup, elle est exposée. Pisse pousse. C'est pas une bonne idée. J'espérais qu'il y en aurait qui pourraient aller se planquer. Ah, dommage. Ici, mais non, ils sont pas allés dans ce coin-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec cela? Ici, normalement, je dois pas déclencher le groupe là-bas. On sait que la norme dans XCOM, ça peut être dangereux, mais... Allez, une chance sur 3 chances sur 4. Yes. Ça c'est fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder
Je fais jouer mon ami éventuellement pour faire rejouer Pisse-Pousse. Parce que là je peux tirer sur personne. Si je me mets là, je peux tirer dessus. Allez, on est exposé. Ah zut, j'aurais dû d'abord déplacer. Bon voilà. Quand ça fonctionne bien, c'est quand même cool. Là, toi, 78%, avec une chance sur deux de te défoncer. Ça se tente. Perdu. Mais tu restes caché, ça c'est cool. Alors, je vais faire ça. Parce que la pisse-pousse, elle est exposée. Ouais, elle le voit. Et c'est mutuel. Réciproque. Okay. Donc, je vais te déplacer là. Et je vais faire travail d'équipe. Ce qui te permet de rejouer. Alors, ça peut me permettre... Ouais, ça me laisse une chance sur deux de le tuer. Je suis pas sûr d'avoir envie de jouer à ça. Le seul souci, c'est que du coup, c'est Smoy qui est exposé. Non, c'est le rookie. Alors, je vais faire ça. Je vais l'avancer et la planquer. Et merde. Ça, c'est mon autre groupe. Là, il n'est pas à couvert. Vengeance. 10 points de dégâts, sympathique. Allez, Dragunova. On repart dans l'autre sens. Ça s'en va et ça revient. On va essayer de les retrouver, les vilains. Mais ils sont partis assez loin. Faut que je fasse gaffe quand même. Ma vie est entre vos mains. Toujours à ce perso qui est dissimulé là. Ah! Là, j'ai une chance sur deux de faire pop le groupe, ce qui est pas mal. Parce que comme je suis très loin... Et ben voilà. On fire, Pisse-Pousse. Ah, et du coup, j'ai pas déclenché le groupe. Ah ouais, sympathique ça. Sympathique comme tout. Il me reste deux à jouer. Je vais éviter, parce que j'aurais pu aller là. Je vais éviter de le faire. Ok, j'y vais. Je vais mettre Overwatch des fois que... Ouais. Non, il faut que je recharge. Il faut que je recharge. Allez. On va découvrir ce beau monde. Que je peux faire exploser. Hop, dommage. Allez, Pisse-Pousse. La même.
Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Du coup, j'ai pas l'autre. Putain, ce serait quand même de savoir où il est. Il est là. C'est comme vraiment super pratique. La Dragunova, la scout pour savoir où sont tes adversaires. Alors, c'est vrai qu'avec le mode qui permet d'avoir la validation de j'active ou je n'active pas, je reconnais que c'est plus simple. Mais bon, on a vu que ça faisait pas tout. Là, il se trouve que j'ai aussi du bol sur mes tirs, donc bah ça joue très clairement. Et de toute façon, je suis pas non plus à l'abri d'une connerie. Comme je sais qu'il va y en avoir un qui a un voilà. Typiquement. Il est tout gros, il est tout moche. Putain, même sur les tirs en Overwatch, j'ai du bal. J'ai vraiment du bal. Vas-y, approche-toi, que je te shoote avec l'autre. Ah, dommage. Quoi qu'il a raté son tir. Franchement, si je le réussis celui-là. Quand même. T'es excusé de l'avoir raté celui-ci. Hop. Je pense que je suis trop loin pour. Dommage. Bon, c'est pareil, j'ai peu de chance, mais si ça passe, je suis content. Alors lui, je peux lui faire une lacération. Il faut juste que je fasse gaffe que quand même, j'ai cette saloperie là. Alors, c'est peu mobile. Ah, j'aurais pu faire ça. Tac, non. Juste ça comme possibilité. J'aurais pu balancer mon Claymore pour le tuer. Bah, je vais faire ça de toute façon. Je vais le tuer avec le Claymore. Histoire de d'être sûr de mon coup. Le seul problème du Claymore, c'est qu'il faut le voir. Et on sait jamais si on va le voir. Ah, j'ai fait que 4. Putain, détruit, dommage. Alors, tac. La limite, ça sert pas à grand chose que je l'avance trop. Enfin, si, que je me planque. Okay, je vous fais confiance. Oh non! Alors ça par contre ça craint. Oh putain. Non, ça peut passer. Bah je fais que 4 à 6. Et avec ça, j'ai fait 6 assurés. Oh putain. Non, 3 à 5. Très clairement. Il y a combien? Il y a 12 PV, putain. La critique! Ouf! Et c'est toi qui vas devoir le sauver. Solid copy. Valise Meuil. 88%. Te plante pas! Ouf! Drop him.
Et lui, normalement, est trop loin pour les attaquer. Ouais. Normalement, il s'est déplacé deux fois. Si jamais il s'est déplacé qu'une seule fois, c'est carrément la merde. Oh non, mais... c'est pas possible. Ça fait combien de temps qu'elle était... Je te jure. C'est pas possible. Oh. Bon, lui, de toute façon, il pourra le toucher, si jamais. Allez, 5. Putain. Mais que c'est saoulant. C'est Dragunova, du coup peut-être que... C'est bien, t'as raté, c'est bravo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de plus au copain et tirer. Putain. Statut confirmé. Nous putain. Pas d'autres contacts. Bon, j'ai sauvé celui qui allait crever. Mission accomplie. De toute façon, il était blessé. Ah, que ça saoule. D'après les récits des témoins d'une attaque d'envergure menée par des résistants non identifiés contre les forces de la paix d'Advent, ces dernières seraient tombées dans une embuscade alors qu'elles s'apprêtaient à évacuer une colonie non autorisée. Une colonie non autorisée, c'est ça. Blessure grave, bah oui, tu m'étonnes. Bravo, commandant. Alors, Zmoïsis, j'avais dit que j'en ferais. Zmoïsis, un combattant, donc il sera plutôt orienté. Alors, le problème, c'est que j'ai perdu mon soigneur. Bah tant pis, hein, mais si c'est commander un combattant, je vais faire un combattant. Peut-être une connerie. Alors, toi tu es un grenadier, mais t'es un grenadier tout cassé. Quoique le canard, j'avais rien prévu pour lui. Eh ben, je vais en faire. Il faut que je vois où est-ce que j'en suis. Pour sa promo, si j'en fais un sabreur ou je un sais autre. Que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Plus 24 de ressources, c'est cool. Là, je peux les augmenter leur lien, mais pour ça, il me faut un centre d'entraînement que je n'ai pas encore. Liste des soldats. Alors. En ranger, Keitana, elle est logiquement spé sabre, mais de toute façon pour l'instant elle a pas encore de vrai spé. Donc du coup quoi que je peux en faire, à part le pilote automatique. Un spé fantôme, hop. Ce qui ira en plus assez bien avec. Avec Pisse-Pousse, parce que du coup ça peut lui permettre d'aider aussi à la reconnaissance. Ok, et ben on avance. Hausse des revenus de la région. À maintenant. Instant, je termine calcul du nouveau de choper mes ressources. Est-ce que... Non, je vais pas avoir le temps de toute façon. 7 jours avant le ravitaillement, et ça c'est combien de temps? 6 à 8 jours. Ah, peut-être. Cap sur l'Afrique de l'Ouest. Ça peut passer. 8 jours, commandant, échec. Grâce à nos informations, dommage. Nous avons localisé des résistants opérant dans cette région. Bon bah... Mais il nous faudra du temps pour repérer leur position exacte. Commandant, nous devons scanner entièrement cette région pour établir. Oui, je sais, il faut que je scanne entièrement. Patati patata. Je vais t'en récupérer.
Ah, ça c'est l'évolution. L'avancée techno. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté, des fantômes en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique, des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Nouvel objectif ajouté. Voilà, donc il faut que j'examine un les officiers d'Advent ont clairement été modifiés. Et je peux faire l'infirmerie, et ça, ça va être, c'est juste vital, quoi. Clé du mystère. Quand on voit comment je prends cher, autopsie, arme expérimentale. Il faudrait que je revoie quels sont ceux qui sont plus utiles dans les autopsies. Je vais faire. Je vais avancer sur les armes. Je vais en faire notre priorité. Histoire de pouvoir avancer. L'avatar. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Alors, ici, il faut que je fasse un atelier. C'est une zone centrale. 34 jours, putain. Zone centrale, donc il me permettra de mettre des davantage de trucs pour aider à construire, à déblayer, etc. Vraiment une pièce, une salle très importante. Ressources stratégiques localisées. Ok. Contact avec la résistance à long terme, c'est plutôt sympa. Normal, je vais commencer ça. Ça permettrait de, d'augmenter la tentative de contact régional. Ah, vite. Local. Oh, ça, ça craint. Tous les soldats d'Advent qui peuvent. Revenir après leur mort, c'est carrément Krios. Les laboratoires de recherche ont été endommagés lors de la dernière tentative. Pour satisfaire les chiens et obtenir la récompense. Les élus font tout ce qu'ils peuvent pour nous ralentir. Il faut déjouer leur tentative de sabotage. Ouais, il faut. Il n'y a qu'à Faucon. Alors, donc. J'ai un, deux, trois grenadiers. 4 même. Je n'ai que 2 rangers, 3 spécialistes, 3 tireurs d'élite. Donc on va faire un ranger de plus. Hop. Hop. Ravitaillement. Prioritaire pour vous, commandant. Je l'affiche sur l'écran. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres. Vous êtes surpassé, ouvou. Ouais, t'as rien. Et vous vous êtes surpassé. J'ai perdu. Je ne sais combien de personnes. Alors, les extraterrestres, ce qui augmente les coûts de renseignement de 100% pour un mois. Ça, c'est pas dramatique. Prochain ravitaillement de réduit de 50%, c'est plus chiant presque. Mon peuple accepte un supplément de travail si vous avez des ordres à lui donner, commandant. Alors, ça, je n'en ai plus besoin. Ça, ça peut permettre d'aller plus vite.
ou ça limité. Putain, j'ai vitesse de construction réduite de 25%. Et ça met quand même 34 jours à faire le. Wow. Tac, 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 tac. Parfois, ça peut être pratique quand même. Ce sera fait, commandant. J'irai le récupérer après avoir terminé là. Face aux anciens, nous accumulons les succès. Ok, très bien. Récupérer un caporal escarmoucheur. L'un super. De mes plus braves partisans souhaite servir sous vos ordres, avec vos hommes. Je ne doute pas de sa valeur. Vous connaissiez les soldats d'Advent. Ils sont maintenant libres de choisir. Si vous gardez le cap, commandant, ils vous suivront jusqu'au bout. Hop. Nous avons une chance de frapper fort. Alors, putain, est-ce que je suis un scientifique ? Vous êtes partant, commandant. Putain, extraterrestre. Renseignement. Ça, ce qui me permettrait d'avoir un ordre de la résistance en plus. Allez. Alors, Jean Bombeur, tu vas d'abord hop, faire ton lien, ce qui te permettra. Tac. Pas grand chose pour l'instant, non, je m'en fous de faire une affiche. Oui, je le veux. Bien, pro là, j'ai presque personne qui est blessé, dis donc. Presque. Liste des soldats, pourquoi est-ce que. Ah oui. Alors, escarmoucheur. Donc, maraudeur qui permet de tirer, ça c'est très pratique. Ça permet de tirer plusieurs fois, enfin deux fois durant un tour au moins. Ça permet de commencer par lancer une grenade puis de tirer, c'est très bien aussi. Ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible non plus, de toute façon j'ai pas assez de points. Donc on est parti là-dessus. Alors, mission secrète. Les forces locales de la résistance veulent établir le contact, mais c'est à nous de faire. Ouais, je vais faire ça. Localiser la faction. Alors, si ça me rajoute directement un Templier, je vais peut-être le faire. Dragunova est fatigué, c'est bien dommage. Bah, vous êtes reparti. Esquive plus 8, c'est pas forcément toi qui en a plus besoin. Bon. On fera avec. J'ai besoin de monde, j'ai besoin d'options. Et petite vidéo. La montre une fois celle-là. On aura l'occasion d'avoir plusieurs. Ouais. Bon. Allez, je peux faire. Résistance locale et nous pouvons investir le site secret d'Advent sur votre ordre. Nous devons préparer. Je peux faire la mission celle-ci, mais alors vu mon manque de confiance dans mes capacités à gérer ça. Ok. Alors, je peux choper hausse des revenus de la région, ce qui serait bien à long terme, mais ça c'est bien long terme aussi. Mais celui-ci disparaîtra avant. Je peux aller au marché noir aussi. Passons au marché noir, c'est toujours utile. J'ai pas d'enseignement, donc je peux rien acheter. Mais je peux revendre 2-3 trucs.
Sectoïde, il faut que je fasse la... l'autopsie. Soldat Advent, ça je peux en vendre. J'en garde 6, oui c'est très bien ça. Ça je garde. Viper, enfin vipère. Et on vend 2. Et le reste, ça me fait toujours 37 sous en plus. Je ne vais pas cracher dessus. Allez. Calcul ça. Du nouveau cap du Talion. Bien. Je commence à être pas mal. À revenir un peu dans la course. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais. Je vais faire plus de grenadiers. De toute façon, c'est toujours. Je trouve que c'est la classe la plus utile, presque. Hop. Allez, projet... De nouveaux centres Advent fleurissent dans le monde entier. Bon bah, écoute... Oui, je sais, projet Avatar, tout ça, il va falloir que je m'en occupe. Alors, je peux faire les deux. Ça, on a dit que c'était pas super grave. 92 de renseignements, j'en ai besoin. Pirater le poste de travail. Bon. Celle-ci est difficile, celle-ci est modérée. Pour utiliser la capacité de dissimulation une fois. Ouais, c'est bien. Je pense que fondamentalement, je préférerais faire celle-ci. Mais je préfère quand même nettement me débarrasser. En plus, protéger. Ouais. Ça sera une mission timée. Ça risque d'être un peu chaud. Mais je ferai cette mission au prochain tour. Alors, prochain épisode. Quel compo est-ce que je vais prendre? Alors, toi, tu peux t'entendre bien avec qui? Avec Jennifer Washington ou Charlotte Ferguson. Alors, tac. On va garder notre duo ici. Jennifer Washington, Charlotte Ferguson. Ferguson, elle est coincée. Washington, elle peut être dispo. Hop. Et je vais rajouter Dragunova pour faire la fufu parce qu'on a vu quand même c'était bien. J'aurais pas de grenadier du coup. Ni de spécialiste. Ce qui est bien pour le piratage. Sinon j'enlève ces deux-là. Le Mesma ici. On va faire ça. Et je vais mettre un grenadier. Don Snyder par exemple. Histoire qu'il pex un peu. Quel pex, pardon. J'avais fabriqué un truc que je n'ai pas équipé, ce qui est quand même un peu con. Alors je peux le mettre sur lui ou sur quelqu'un d'autre. Je vais le mettre sur elle. Ouais, je te garde de toute façon une grenade parce que tu peux tirer. Et du coup, j'ai pas de tireur d'élite. On veut tout avoir. Soit pas de tireur d'élite, soit pas de grenadier. J'ai besoin d'un spécialiste. Allez, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Diamant de la griffe. Opération diamant de la griffe. Ce sera pour le prochain épisode. On va essayer de pas faire de merde. C'est bon, on peut y aller. Hop. On va attendre la petite animation, les petits chargements. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.
suis content d'arriver à faire des missions sans trop de dégâts. Même s'il y en a quelques-uns quand même. Nous cherchons tous les moyens possibles d'obtenir des informations sur le dernier projet des extraterrestres. Ouais. Et cette fois, il va falloir infiltrer une de leurs bases pour accéder à un terminal vulnérable relié à leur réseau. Donc c'est une mission timée normalement. En position pour protéger le site. Vous devrez donc neutraliser toutes les menaces pour boucler le secteur. Récupérez tout ce que vous pouvez. Nous avons besoin de ces données pour les arrêter. Menace 1-5, ici le Talion. Le point d'accès que nous cherchons est droit devant. Vous devez sécuriser la zone, mais l'ennemi va résister. Allez, j'arrête cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.